Ben salut tout le monde, c'est Elton McFall, connu aussi comme Retro Old School. Au coin d'une rue bien occupée, c'est ça, le coin de Dixon puis Hochelaga. Mais honnêtement, souvent, moi je pense que c'est la rue Hickson, mais la rue Hickson c'est dans l'arrondissement de Verdun. C'est quelqu'un qui appelle ça Verdun? Parce que t'habites là, puis après t'es dégré, puis tu te dis Verdun! Anyway, si vous ne catchez pas ça, là, vous n'avez pas bien envie de faire. Oh! Chose qui est responding, là, j'attends, là. C'est où, là? Bon, ben, il fallait que j'enregistre, bien sûr, l'ambiance en répondant, parce que c'est ça que je fais. Hey boy, ça doit être majeur, hein, quand c'est au coin d'une rue, là, comme, occupé comme ça, puis. Faut que ça soit fait. Il manque pas d'action ici! Tout le camionnage, les chars, nettoyeurs de rue. Puis, regardez l'Impala qui est là. Ah, il est fucking clean, ce char-là. C'est vrai que ces vieux l'Impala-là, il a pas l'air vraiment à pourrir, ces chars-là. C'est impressionnant. Je me demande s'il était mieux fait que le modèle avant ça, là, celui qui est revenu là, avec le nom là, en 99. Anyway, fait que je fais cette vidéo-là par... Oh, regarde, ça c'est correct, mais ça j'aime ça. Ça c'est un beau vieux truck. Vieux Freightliner, là. Yes, sir. Ça c'est un truck qui est supposé d'avoir le son d'un truck, c'est exactement ça. Puis ça c'est un esti de crise de poubelle. Un esti de poubelle de merde, de calice, de Nova Scrap. Moi, je suis pogné à prendre ça dans le tabarnak le reste de ma vie. C'est des hosties de crise de poubelle de Made in Québec, de calice de merde. Au moins, sacrément, un autobus New Flyer, ça a plus de bon sens si ça a une plus belle ride. Oh, bégarde, en parlant de l'STM. Puis l'STM, malheureusement, tu sais, écoute, on peut pas arrêter le temps, hein, fait qu'ils ont plus de Crown Victoria. Fait que c'est ça qui est ça, ou comme on dit en anglais, it is what it is. Wow! C'est cool, ça, c'est pas tout le temps tu vois des vieilles buildings comme ça, des vieilles maisons avec... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est les travaux qu'ils font là-bas, hein. Ouais, c'est ça que je disais, c'est comme pas tous les jours tu vois des balcons en rond comme ça. Des vieilles maisons, ou n'importe quelle maison. Anyway, moi, je prends mon temps aujourd'hui, là, furieux, là, parce que, tu sais, mon acide d'affaires de pericarditis, maladie de cœur, là, ça... Ça veut pas me laisser faire, fait que j'essaie de prendre mon temps et j'essaie de pas trop marcher, pas être trop actif comme avant. Honnêtement, je pense que je suis devenu le contraire qu'avant. Mais au moins, c'est ça qui est bon avec cette saison et l'hiver qui s'en vient, c'est que, tu sais, c'est le temps de relancer, pas juste pour moi, mais bien des gens, puis de sortir moins, tu sais. Fait que... C'est correct ça, puis là, moi j'aime beaucoup ça, cette période de l'automne. Toutes les très belles couleurs de feuilles, c'est ça que je voulais aussi enregistrer aujourd'hui dans une marche. Puis je suis content, bien sûr, de vous emmener cette vidéo-là en français, parce que ça faisait un bout que j'oubliais tout le temps de faire une vidéo en français. Vraiment, juste parce que, à cause que je suis tellement habitué de commencer une vidéo en anglais, puis tu sais, dire « Hello, Elton McFall here, blablabla », tu sais, fait que... C'est souvent, la majorité du temps, je fais ces vidéos-là, vraiment, comme je dis en anglais, spur of the moment. Je veux dire, comme vraiment, dernière minute, tu sais. C'est pas planifié vraiment, tu sais. Fait que là, on est à la rue. À la rue Deslauniers. Deslauniers, excuse-moi. Je pense qu'il y a une rue comme ça à Longueuil, hein. Puis, bien sûr, moi je cherche des vieilles berlines, des vieilles bagnoles, des vieux chars, qui sont spécialement antiques. Et la définition d'une voiture antique, attends, mais je vais faire un zoom, voir qu'est-ce qu'il y a là, plus tard là-bas. Là. Une voiture antique, c'est une voiture qui a 25 ans ou plus. Fait que là, c'est sûr, c'est dur à imaginer qu'une voiture de 95, c'est une antique pour des gens qui ont environ mon âge ou plus vieux, tu sais. Fait que moi, je pense pas que ça va faire une très longue vidéo. Si je marche plus lentement, ben là, ça va faire un peu plus long. Mais je pense que je vais juste faire ça jusqu'à Sherbrooke, la rue Sherbrooke.
Puis anyway, je veux pas aller vite anyway parce que c'est une pente. Fait que, tu sais, une pente, ça fait travailler le cœur encore plus dur. Plus dur, hein? Plus durement. Mais j'aimerais ça aller, je pense, l'autre bord de la rue. Je pense que... L'éclairage est peut-être un petit peu plus mieux, mais je suis content que le soleil est sorti pour quelques minutes avant, là, il n'y a pas longtemps, parce que deux derniers jours, là, c'est pas hot en termes de météo, là. Franchement, là. J'aime me marcher en reculons. Une marche en reculons. Toutes les belles couleurs jaune, orange et rouge de l'automne, avec toutes des astichats quasiment toutes plates, banales, sans couleur, ennuyantes. Calice de marde, tu sais. Comme je viens de dire il y a quelques minutes, c'est ça qui est ça. It is what it is. Hey, ça, c'est une belle maison. Regarde-moi ça. Ça n'a même pas l'air que ça fit le coin. Peut-être que c'est en effet une des maisons les plus vieux dans le quartier. Sacrement, change ton cristal de muffler au exhaust. Ah, oh, sacrement. Moi, il y a plein de personnes comme ça dans mon coin. Ça m'écœure. Je suis tellement tanné d'être ça. Spécialement les chars avec les mufflers modifiés. Pas de muffler. Exhaust modifié. Ah, stick, c'est de la merde. Il y a des gars qui montent ma rue, là. À sacrement, si tu penserais que ça serait des astis de corps, chars de course, de le Grand Prix de Formule 1, astis, qui mangent la crise de tabarnak de merde. Puis l'affaire la plus pire, oui, j'ai un immense respect pour les policiers, mais je pense qu'ils ont été mandatés par le maire de Montréal, là, Mme Le Plante, le héros, là, de la planète, puis whatever, de ne pas, en effet, arrêter les gens en voiture, seulement c'est urgent à cause de la crise de COVID. C'est ça, hein? C'est rendu que la COVID, là, c'est l'excuse pour tout, sacrament. Aïe, 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 aïe. Je pense que cette rue, ça fait longtemps, c'est en construction. Je pense que la dernière fois, j'ai pogné mon bike pour une ride, c'était tôt le matin. Puis, c'était en effet pas loin d'ici, là, il y a peut-être 2-3 mois, puis... Hey, garde un coach. On n'en voit pas autant qu'avant, ça c'est sûr. Hein? Dommage qu'il est blanc. On est toujours blanc, tu sais. Groupe Ménard. Oh, un beau town car. Beau Lincoln. Je vais voir si on est à coin de quelle rue, là. Dixon, puis. Dixon, puis je sais pas quoi, tu sais, Chris, la pancarte n'est pas là, je pense. Fait que check Google, tu sais. Regardez encore, là, c'est caché. Ah, pas là, c'est Gone with the Wind, hein? Ça a l'air. Ah, ben. Je me souviens, une fois, je travaillais pour Pure Later. C'est une vraie job de merde, c'est. Puis, il y avait un gars que je travaillais avec, il était vraiment gentil, il était marocain, puis, tu sais, je parlais, puis il disait tout le temps, ah, oh, ben. Oh, il y a un vieux Freightliner là-bas, je vais le filmer. Oh, look at that, nice 20-year-old or something like that, Lexus LS400 just passed by there to go along with that town car, nice touch. Yes, sir, and big cars, they seem to be a dying breed, don't they? Don't they? No, here, excuse-moi, encore, je suis tellement habitué de parler en anglais, non, ben c'est ça, la vieille Lexus, j'étais content de la filmer après avoir filmé, avoir caché la Lincoln, parce que je pense, on dirait que les grosses voitures sont en train de mourir, là. Ça commence à être une espèce rare. Oh oui, la rue Boileau. Boileau. Ouais, je pense que ça se pourrait, bien sûr, que ces rues de côté sont peut-être plus belles, en effet, que la rue de Dixon, hein? Regarde la différence en construction, c'est intéressant, hein? Regarde. Ça, c'est, ça a l'air pas mal vieux, ça, là, mais je suis pas certain, hein? Peut-être ça a juste, je sais pas, 75 ans environ, t'sais. Ouais, je commence à avoir faim. Moi, là, je commence à penser peut-être m'a pogné un bon bagel chez Tim, là, puis un café.
Ouais, ben c'est ça, tu vois, cette maudite péricarditite, c'est ça l'affaire, c'est que je peux marcher. Mais comme mon docteur m'a dit une fois, il m'a dit, garde, tu peux marcher une demi-heure, là, mais va pas marcher 2 heures, tu sais, 1 heure, 2 heures. Il a raison, parce que sinon, je vais payer le prix, puis je vais me sentir en douleur, puis vraiment, pas juste la douleur, mais c'est de malaise, là. Tu te sens malade, c'est de la fucking merde, vraiment, là. Tu sais? On passait un tracteur pour pousser toutes les feuilles qui étaient sur le bord de la rue en avant chez moi. Je l'ai filmé. Puis j'ai filmé aussi ça sur la rue en arrière de moi, la rue Davidson, la semaine passée. Mais la seule affaire, c'est que je comprends pas trop pourquoi ils font ça. Dans les années avant, ils faisaient ça dans une shot, là, tu sais, comme fin d'octobre environ. Puis je me demande si c'est peut-être pour éviter que les feuilles bloquent les égouts, peut-être c'est ça que je me demande. Puis là, regarde, ça c'est ce que je te parlais, c'est ça, c'est les plus grosses poubelles, là. C'est une minoune de merde. T'es écœuré d'être ça, c'est pour ça, des fois, je suis plus content d'être resté chez moi au lieu de prendre ces astuces de minounes, là, avec des sièges de merde, suspension de merde. Puis le plus pire, c'est qu'il y a des chauffeurs, thank God, là, OK, merci Dieu que c'est pas tous les chauffeurs, mais il y a des chauffeurs, ils sont en calice de l'horaire. Ils conduisent comme des astis de crise de malade. OK. Comment qu'on dit? Ils font ça. C'est vraiment le full speed. Puis, tu sais, c'est vraiment les plus pires autobus à conduire comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment tannant en astis quand ils conduisent comme des malades avec ces bosses-là. Vraiment, là. Comme quand j'ai pris la 211 l'autre jour, là, sacrément, en square, j'étais dans une course, man. Tu sais? Hey, regarde, un beau Cadillac. Il est rouge. I like it. C'est bon, ça. Oh! Check. On voit la tour du Stade Olympique ici. Regarde-moi ça. Dommage, c'est pas une belle journée, malheureusement. Hein? Malheureusement, c'est pas la plus belle journée aujourd'hui. Ah oui, regarde, la caserne de pompiers est là-bas, puis regarde, le camion de pompiers, il retourne, ça a l'air. La caserne de pompiers, je me souviens jamais le nom, c'est-tu. Très belle caserne, construite probablement, je pense, dans les années 30. Et je vais dire une autre affaire qui est intéressante, c'est que, tu sais, les vieilles casernes de pompiers, pourquoi qu'ils ont les tours comme ça, les towers, c'est à cause que dans le temps, avant que tout le progrès de communication... C'est peut-être pour que les pompiers pouvaient voir où ce qui était exactement un feu. Puis là, qu'est-ce qu'ils utilisent les taux pour? C'est pour en effet sécher les hoses quand ils ont été utilisés longtemps pour un feu. C'est pire, hein? C'est pas ça qui ramasse les feuilles, honnêtement. Moi, j'aime ça, les feuilles à terre. Je trouve que c'est beau. C'est tellement de courte durée. Ça dure pas assez longtemps. Franchement, là. Tu sais, mais. Ouais, j'arrive-tu à Sherbrooke, là? J'étais un peu tanné, là. J'étais un peu tanné. Oui. Tu penses-tu que Charlebois, il était fucking gelé comme une balle quand il écrit cette tune-là? Hein? Tu sais, le pote, là, c'est pas complètement mauvais, hein, c'est sûr, là. Hey, moi, combien de fois j'ai fumé puis ça m'a donné des idées créatives pour des toiles, dessins, whatever, tu sais. Mais hein, on va arrêter ici quelques secondes, parce que je suis certainement pas à Sherbrooke encore. Mais le vent est léger, c'est bon. C'est très bon. Très bon, très bon. Ouais, ben c'est ça. C'est pas la prochaine lumière à Sherbrooke, c'est la lumière avant. Après, fait que ça va être une vidéo ouais, juste assez long. 10-15 minutes en moyenne. Puis, je pense que ça va-tu faire ton affaire, ça, monsieur Leblanc? Je sais pas si tu comprends le français ou c'est juste ton nom qui est francophone. Ça, c'est un de mes fans. Puis, il avait mentionné dans une vidéo récemment que... La dernière vidéo que j'ai faite, il était juste 7 minutes de long la marche, mais ça, c'est parce qu'il a commencé à pleuvoir. mais moi, je suis pas trop vite à faire des replies sur les commentaires parce que j'en reçois tellement. Puis, c'est déjà, j'utilise l'ordinateur, puis le téléphone trop, puis ça donne mal au cou, mal à la tête. Hein. Ah!
Bon, là, on est à où, là? Dixon puis... Dixon puis Chauveau. Ouais. Ouh, belle couleur, ça. Yeah, comment c'est beau, là. Ça va faire un beau thumbnail. J'ai aucune idée comment dire ça en français. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ah, c'est une merde. Je pensais que j'avais chargé cette batterie-là. Ah, c'est correct, j'en ai un autre. Et j'ai le téléphone aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Clinique dentaire Goro. Ouais. '50s. Hey? The good old 50s. Yeah, exactly. Le baby boom. Je sais, j'ai habité dans une maison comme ça. 54. Hein, oui, je regardais la maison. Les gars sont en train de travailler sur le toit ou je sais pas quoi. Puis je disais au gars, je disais, ah, ça c'est 50s, tu sais. Il dit yes. J'ai dit ouais, ça c'est de. J'étais né dans. J'ai grandi dans une maison comme ça. 1954, la maison à Roxborough. Ça, c'est bizarre. Regarde comment ça fit pas en tout. Avec. Anyway. Hey, ça, c'est une belle couleur, mais ça, le truc, je le comprends pas, ces trucs-là. Je comprends rien, moi. Dernièrement, je pensais, si j'aurais plus d'argent, je pense que je me procurerais un autre appareil photo, mais plus professionnel comme j'avais avant, parce que. Ça me guette des fois que je prends plus des belles photos que je prenais avec. Tu sais, je retournais sur Facebook, c'est parce que je regardais des côtés positifs. Puis, tu sais, c'est que quand je regarde dans tous les fichiers puis les photos que j'ai pris dans les plusieurs années, tu sais, jusqu'à 2018, écoute, je prenais vraiment des photos écœurantes, la qualité était écœurante. L'appareil que je filme avec, c'est un Canon 620SX. Mais tu sais, c'est une très bonne caméra pour faire des vidéos, mais mais en effet, malheureusement, la qualité des photos sont pas étonnantes, sont pas écœurantes. Malheureusement. Fait que c'est quelque chose que je pense à ça des fois, tu sais. Mon téléphone, il fait des très bien vidéos et photos, mais encore, c'est pas exactement professionnel, tu sais. Fait que... Ouais. J'ai connu un gars qui travaillait pour cette compagnie-là. Moi. Ouais. Et bien sûr, là, on n'est pas loin de où mes grands-parents y ont habité pour 25 ans. Très content. Le village olympique. Sur le village olympique. Qui est en shape de pyramide. Puis ça, c'est bien sûr l'hôpital Rosemont-Maisonneuve, que je ne suis pas un très grand fan de. C'est ça, fait qu'on va arrêter ça ici. Je vous remercie bien sûr de regarder mes vidéos puis d'être fidèle. Et j'invite toujours aux commentaires positifs. Regarde, c'est là le village olympique. C'est extrêmement immense, ça là. Si jamais vous voulez m'envoyer un petit, on va appeler ça un pourboire, ou comme je dis en anglais, gratuity. Vous pouvez faire ça avec mon email qui est Elton McFaul. Wow, check le Tesla, wow! Hey, ça c'est cool en esti. Wow! Anyway, c'est ça. M'envoyez quelque chose si vous voulez. 10$, 100$, 1000$, whatever. Mon courriel, encore, c'est Elton McFaul. Elton comme Elton John, E-L-T-O-N. McFaul, M-C-F, comme Frank, A-L-L. McFaul, à hotmail.com. Elton McFaul, à hotmail.com. Et bien sûr, vous pouvez envoyer ça par un transfert Interac ou PayPal. Merci beaucoup d'avoir regardé. Thank you very much. Et... passez une belle journée. Puis peut-être qu'il va y avoir plus de soleil aujourd'hui, ça a l'air. J'aime ça quand les météorologues n'ont pas raison, tu sais. Fait que c'est ça, on finit sur Sherbrooke. Merci beaucoup. Bonne journée. Adios.